Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur ce live de Housekeeper, c'est Fabrice Fleming. Alors, un truc à savoir, deux trucs même. Je suis sous médicament, je suis fatigué. Et j'ai ma sciatique qui est revenue me faire chier aujourd'hui. J'ai mal partout, j'ai le haut du dos qui me fait mal de chien. Respire à fond, ça me fait mal dans le haut du dos, dans les omoplates, donc on va y aller tout doucement. Je craque de partout, j'ai mal, donc live c'est uniquement pour oublier cette douleur de merde. Je veux voir un truc dans le gameplay. Désactiver, merci. Ah mais temps réel, ouais d'accord. Le temps réel en fait, c'est le temps actuel, c'est ça? Mais je veux pas moi, alors. Je vais continuer la partie, cette fois on va aménager la maison de Breaking Bad et on va faire une maison qui va nous plaire, qui un truc moderne, vraiment un truc moderne à ma sauce, genre qu'est-ce que je mettrais si j'habitais ici et que c'était mon QG pour ma société de nettoyage. Alors on va voir, on va nettoyer, on va faire les choses. Et on va péter tous les murs, vendre tout ce qu'il y a à vendre, tout nettoyer, et on verra ensuite. Donc, déjà j'ai dit qu'on nettoie et tout, donc. Ah ouais, d'accord. Attends, y a moyen de faire comme ça? Ouais, ça marche. Alors, du coup, ça c'est de la merde, ça dégage. Déjà, de toute façon, on va réaménager l'allée puis la refaire différemment. Ici, c'est quoi? Ça, c'est une porte. Ici, c'est quoi? Ah oui, ici, c'est ça. Non, on va pas toucher, on va laisser tel quel. C'est vrai qu'il y a la pizza qui est en haut. Déjà, on va revendre tout ce qu'il y a à revendre. Genre, ce qu'on va faire plutôt, c'est on va nettoyer toutes les saloperies qui traînent. Comme ça, bon, on est sûr qu'on a tout nettoyé. Ça, c'est bon. Ensuite, ça, je suis désolé, mais on va moderniser. Donc, ça, on vend. Ça, on vend. Ça on ne va pas, on peut pas vendre ça de toute façon. Ça est-ce que ça je peux le péter? Non, je peux pas le péter. Alors du coup, ça on verra, ça on va enlever, enfin ça on va enlever, ça on va enlever, ça on va dégager, ça on va dégager, toute cette merde on dégage, ça on dégage aussi, ça on dégage, ça ça dégage également, alors ça, ça ça va dégager, ça aussi, ça, 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 tout ça, on va moderniser j'ai dit. Ça, ça va dégager également. Ça, ça va se barrer aussi parce que ça n'a rien à faire là. Ça, on va moderniser. On va moderniser aussi ça. On va dégager certains trucs en fait. En fait, on va tout moderniser, on va faire le plus cher de toute façon. Ça, ça va dégager aussi, ça également. Ça, ça va dégager. Ça, ça ne fonctionne pas, donc ça va dégager. Ça, c'est de la crasse. Ça, c'est une porte dégueulasse. Ça dégage. Ça, ça dégage. Ça aussi. Ça aussi. Ça aussi. Et ça, ça dégage, puis on verra plus tard. Mais les chambres en verre, ça c'est pas question.
Pas question de foutre des chambres en verre, je trouve ça absolument dégueulasse. Ça se dégage. Qu'est-ce que... Ah oui, la stache d'argent, en fait c'est 543 balles multiplié par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. 15 fois, je veux pas compter de tête, hein, moi je me fais pas chier. 15 fois 489,04. Merde. 15 fois 489,04 est égal à 7335 et 60 centimes. Alors, c'est bien. C'est pas mal, on gagne 7000 balles juste en prenant ça. Alors, dingue, ça se dégage. Ça se dégage. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a ici qui dégage? Bon, évidemment, ça. On va péter les murs. De toute façon, ça dégage. Ça dégage. Ça, c'est trop petit. Donc, on va refaire tout ce qui est ici. C'est trop petit. C'est dégueulasse. Je n'ai pas du tout. Ça dégage. Quand on veut faire une salle de bain, on la fait grande. On la fait pas petite. Ça, c'est un principe chez moi. Si tu veux faire une salle de bain, tu la fais pas aussi petite que ça. Ça va dégager également. Hop. Ça dégage aussi. Évidemment. Péter les murs, ce serait super, mais bon, je pense pas qu'on puisse là. Hein. Vers l'extérieur, c'est dommage d'ailleurs. Ça dégage aussi. Ça dégage également. Ça aussi. On fera plus moderne. Ça dégage également. Ça dégage aussi. Ça dégage aussi. Ça aussi. Ça également. Ça a disparu. Ça, on va le faire disparaître aussi. Le jardin Feng Shui, ça, on va le laisser tel quel, puis on va le réaménager à notre sauce. Ça risque d'être intéressant. Mais on va, par tel quel j'entends que ça, on va l'enlever, puis on va mettre des trucs qui collent un peu. Merci. Hop là. Hop. Les petites pierres, on va les laisser. Voilà, ensuite. Alors, nettoyons à présent tout ce merdier. Hamburg, ça dégage, ça dégage aussi. On nettoie tranquillou et on va réaménager tout ça pour faire un nouveau QG personnel. On réaménagera peut-être les fenêtres aussi parce que je compte péter tous les murs. Puis on verra ensuite, une fois que ce sera fait, ce qu'on verra, ce qu'on fera en fait, ce que je ferai parce que. C'est quand même particulier. Alors ici, donc ça doit être le bord de la fenêtre, effectivement. Par contre, il n'y a pas moyen de faire dégager ça. C'est bizarre. On verra si on fait quelque chose avec. Non, c'est pas le bon. Ensuite, il faudrait que je monte là-haut. Pour monter dans cet endroit ici, est-ce que je peux? Non, il faut absolument
être aussi grand. Pour un moyen, c'est suffisant. Alors, ensuite. Le speed. Tac, ça c'est fait. Pouf, pouf. Bon, ça je peux. Ça, je peux le revendre parce que j'en ai pas besoin. Tac. Ça j'y touche pas. Ça j'y touche pas pour le moment. Ensuite, on continue. C'était où ça? C'était là. Ça s'est nettoyé. Bon, je nettoie, mais de toute façon, je vais péter une bonne partie des murs, comme ça, bon, ce sera fait. Ah oui, d'accord. Ouais, alors ça. Qu'est-ce qu'il y avait là? Ça, ça dégage. On remettra des trucs comme ça plus tard, de toute façon. Ça c'est la fenêtre aussi. Également. Bien, tout est fait. On va pouvoir tout péter. Alors. Ça peut pas péter évidemment. Ça on pète là. Supprime aussi, merci. C'est tellement satisfaisant. Cuisine, un grand salon, du coup ça on va le péter aussi. Ça, ça ne se pète pas. Ici. Que j'aimerais. Bon, je vais tout péter hein, de toute façon. Alors, cuisine. Déjà, ce que j'aimerais, de toute façon, on va vendre ça. Comme ça, bon, on est préparé déjà. Ça, ça dégage. Comme ça c'est bon. Et ça, comment purée, comment je vais faire ça, mon bordel? Parce que au moins
C'est pas ça que je voulais. Bon, on peut mettre un truc dessus. Je vais vérifier. Ah non, ça c'est pas un tapis. Ah, c'est hyper chiant ton truc. Ce qu'on va faire. Aménagement ensuite derrière. Par là, on pète tout, casse tout, et puis on verra. Alors du coup, ouais, il y avait la porte d'entrée, je ne sais où. Alors la porte d'entrée... Oula. C'est gênant parce que j'aurais pas vu la porte d'entrée là, moi, mais bon. Que je peux, alors déjà je vais faire un truc de toute façon parce que je peux les remettre donc ça pose aucun problème. Tiens, ça ça dégage, merci. Plus tard peut-être. Voilà, merci. Alors. Petit bug à la con. Peut-être que... Alors attends. Ah bah non. Ah c'est con, ils ont fait double, mais ils ont pas fait de la possibilité de les poser à nouveau. C'est bizarre. Ah c'est chiant. Quelques trucs, mais déjà ce qui a pété pour ensuite. Alors, du coup. Thank you.
Ça avance tranquille. Du coup, ça c'est la cuisine, ça de toute façon. C'est bon, ça dégage. Ah ok, du coup, ça... C'est quoi? Ah oui, c'est vrai. Ça dégage. Réfléchis, je réfléchis. Alors, du coup, ça, je sais que ça peut être le, ça c'est le bureau, de toute façon, vu que de toute façon, on n'a pas de voiture. J'aimerais juste. Ouais, ça marche pas comme j'aurais voulu, mais bon, est-ce que... ça marche pas. Ah, j'aurais bien voulu. C'est tu fous les portes là où on te dit de les mettre, sinon on va te faire enculer, c'est ça? Mais tu veux vraiment foutre la porte d'entrée là? Mais c'est de la merde. Oh, écoute. Et puis on refera les fenêtres aussi parce que c'est pas beau. C'est pas beau. Et ça non plus d'ailleurs. Hein. On les refera de toute manière. Et ça aussi. Pose la question. Parce qu'à ce moment-là, ce qui serait bien, bah je vais tenter le truc. Hein. Hop. Voilà, on pose un mur là. Le mur qui est là. Tranquille. Ça c'est bon, ensuite on pète ces deux là, ces trois là.
C'est parfait, ça fait un couloir. Du coup. Ça c'est bon. Et ensuite on verra ensuite. Ça fera office de bureau du coup, c'est parfait. Ça fera office de je ne sais pas quoi. Alors déjà. Ça fait office de chambre. Ça, ce sera parfait. Là, on pourra mettre un lit. J'espère que ça passe. J'espère vraiment que ça passe. Hein. N'importe quel lit double, s'il vous plaît. Et ça passe. On s'en fout de ce qu'il y a dessous, du coup. Donc, d'accord. Ça servira d'exemple. No problemo. Ah, quand même foutre une porte dans ce coin-là. Ah, mais puisqu'on peut mettre... Ah, bah c'est génial, parce qu'en plus, on peut mettre les portes dedans. C'est ça qui est bien. Alors, déjà, la porte... Tu veux bien me trouver une porte, s'il te plaît? Bon, celle-là, elle fera l'affaire. Voilà, comme ça. Là, c'est bon. Puis je peux faire directement comme ça. Ensuite, on peut mettre les lenteaux ici. Merci. Voilà, ça c'est bon. Ensuite, en tant que fenêtre pour faire joli, on va mettre fenêtre, quelque chose de beau, pas quelque chose de dégueulasse que... Attends, qu'est-ce qu'il propose? Trop grand. Ah, c'est bon. Par contre, le plus con, c'est qu'il faudrait élargir un tout petit peu. Est-ce qu'on peut? Est-ce qu'on peut au moins élargir un brin? Donc déjà ça, heureusement, on n'a plus besoin de les revendre. On peut les déplacer, c'est ça qui est bien. Ça, je peux passer. Ouais, on va décaler d'un break, enfin d'un coup.
Ce que j'aurais pu faire, ce qui aurait été plus malin en fait, et ce que je vais faire maintenant. Comme ça, c'est plus malin de le faire comme ça, je trouve. Comme ça. Et du coup. Comme ça, on pète l'épaisseur. C'est parfait. Comme ça, on s'emmerde pas pendant 3 plombes à vouloir reposer un mur sans savoir où exactement. Et du coup, c'est parti. Sauvegarde. Ouais, sauvegarde. À côté, je pétais le mur. Voilà, après ça, on peut de toute façon les remettre. Voilà, ça c'est bon. Maintenant, on peut replacer ce lit ici. Voilà, tranquille. Et du coup, la porte, bah, elle est là. C'est parfait. Voilà, ce qui fait que la fenêtre est centrée. C'est parfait. Ça c'est fait. Alors du coup, ensuite, ça dégage parce que c'est dégueulasse. Ensuite, une autre ferraille et des autres fenêtres. On va mettre, je sais pas, on va tenter ça peut-être. C'est dégueulasse en fait, ça dégage. Au revoir, bonne journée. Oh, j'aime pas ce style de fenêtre. C'est quoi ça? Fenêtre sont pas. Ah, mais oui, mais c'est les fenêtres cyberpunk ça, non? Vitré, pourquoi pas. Alors ensuite, grande baie vitrée. Store et rideau, porte, ça fait partie des portes, je suppose.
Du coup, de la bonne taille. Ah, c'est parfait. Par contre, c'est la couleur qui ne me plaît pas. Ça, c'est chiant. C'est la couleur obligatoire ou ça se passe comment? Porte comme ça, du coup. Comme ça, hein, c'est pas mal, je trouve. Voilà, porte comme ça. Ensuite. Grande baie vitrée pour la chambre, c'est parfait. Ça reste comme ça. Ensuite, tac, ça aussi, comme ça. Comme ça, ensuite. Je suis en train de réfléchir et je suis en train de me poser des questions. Le problème, c'est que je suis obligé parce que je peux pas fermer avec un mur. Ça, c'est chiant. Alors. Si je fais trop, ça va faire tout le long du mur, c'est pas ce que je veux. Voilà, ça au moins on le ferme. Ça, au moins on le ferme. Ça, c'est une cheminée à l'extérieur ou ça se passe comment? Non, il n'y en a pas, donc tout va bien. Il me faut une porte vitrée, ce serait pas mal parce que là, ce sera sympa. Ensuite ici, oh, une porte vitrée stylée. Alors du coup,
ça. Ensuite, on va foutre les linteaux. C'est bien les linteaux que ça s'appelle. Linteaux, oui, tout à fait. Voilà, ça c'est bon. Ensuite. Ah, c'est parfait, petite porte comme ça, tranquille. On va la déplacer celle-là, d'accord. Ok, donc ça c'est la bonne porte, ça c'est bon. Ensuite. Qui concerne l'aménagement de la salle cuisine. Est-ce qu'il faudrait une porte? Intérieur ou extérieur? Moi je dirais. On va pas s'emmerder. Et qu'on va mettre une porte ici. Là. Voilà, on va mettre tout le bordel de cuisine dans le coin là, puis on va mettre des fenêtres ici, juste là. Et des fenêtres assez hautes. Une fenêtre, on va voir ce qu'il nous propose, c'est trop bas. Oh, c'est pas mal ça. Ah ouais, je vois un petit peu ce que ça va provoquer. Merci, heureusement c'est pas bugué. Bon bah ça c'est impossible. Merci. Du coup ça c'est impossible aussi. C'est pas, c'est trop petit et c'est trop chiant. Alors du coup. Bon, je sais pas ce qui emmerde. Ah, ça passe pas. Ok, donc ça ne passe pas. Ah, je me pose la question du coup, alors attendez, tac, tac. Heureusement j'ai du pognon donc tout va bien. Si tu avances comme ça, et ensuite si tu avances l'autre de la même manière.
ça ne passe pas du tout. Alors du coup, tac, tac. Attends, on va taper, puis on va... J'ai combien? J'ai 2 millions, donc ouais, moi, je peux gâcher si je veux, alors c'est pas un problème. Mais ça passe pas du tout. C'est soit j'en prends une grosse, soit je laisse tomber. Si on prend comme ça. C'est trop bas, c'est trop bas, c'est trop bas. Que pour celle-là. Ça, est-ce que ça passe? Oui, ça passe. Ça passe. Ouais, bah c'est du... ça passe, ouais, ça passe. Ouais, donc c'est bien pour la cuisine, ça. Pas de problème. Ça fait très éclairé. Oui, bon, bah... Accepte et ferme ta gueule, du coup. Alors, du coup... un truc. J'espère que ça passera. Alors du coup, tac. Là, on va mettre. Comme ça. Voilà. Ah bah pas du tout. Arrgh. J'aime pas du tout les baies vitrées dans ce style-là. Hein. Je réfléchis, c'est pour ça que je fais gaffe à pas faire n'importe nawak non plus. C'est trop bon. Bienvenue sur la vie aux personnes qui arrivent. Donc ça, c'est ouf, c'est pas ouf. Ah, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Donc ça fait
dans le bon style. Ça touche pas trop à l'extérieur. Ouais. Donc du coup, juste que je la décale d'un poil en fait. Normalement, ça devrait passer. Alors du coup. Ouais, ça passe, c'est bon. Ici, peut-on mettre... Ouais, ça passe, c'est bon, c'est super. Peut-on mettre un... Parfait. Parfait, ça fera un bureau. Ça va. Ça fera un bureau qui sera ça va là, ouais, ça va là. Qui sera bien aménagé comme il faut, etc. Blabla, qu'est-ce que tu veux? Alors, bon, ici. Ici, on va quand même mettre baie vitrée. Manière que là-bas. J'espère que c'est les bonnes. Sens, si c'est pas les bonnes, je peux les revendre. Donc c'est pas. Attends. Tac. Ouais, c'est bon. Plus ou moins. Alors attends. Qu'est-ce que. Tac. Voilà. C'est plus ou moins bien éclairé ici. C'est tranquille, c'est beau, c'est bien. Oula, oula. Waouh, le joli bug. Bon, on oublie. Du coup, oui, la porte ici. La porte ici qui menait sur la... Ouais, ça, ici. Ensuite. J'avais mis un mur ici. C'était pour mieux le péter de l'autre côté. Alors, du coup. Bon, un petit peu plus de place. Juste pour l'extérieur. Nous aurons une fenêtre pour ce qu'il faut. Alors. Vu que c'est pour une salle de bain, donc on n'a pas vraiment besoin de faire grand, hein. Ce sera parfait. Voilà, du coup ça c'est bon. Donc ça c'est parfait. Donc, nous avons le bureau. On va mettre les portes.
plaît, les portes. Porte, porte, porte. Quelle couleur les portes? J'ai décidé que les portes seraient comme ça. Ok. Alors, du coup, pas en poser plusieurs, non? C'est juste en poser une par une, c'est débile, je trouve. Bon, c'est pas grave. Au moins, ici, de toute façon, ce sera la salle de bain. Je vais poser une porte. Qu'est-ce que tu as d'autre à me proposer? Ensuite, nous avons la porte de la cuisine. On va, bah, tiens, même si c'est porte de soda en verre, je trouve que ça fait parfait pour une porte de cuisine. Parfait. Ensuite, ça c'était la porte ici. Ça c'était la porte en verre ici. Ça c'était parfait. Ensuite, la porte d'entrée. La porte d'entrée. Ça, alors, mets-toi à l'extérieur, puis regarde un petit peu ce que ça donne. On voit pas l'extérieur, c'est parfait. Nous aurions tout ça en salon, ce serait parfait. Du coup, ceci. Évidemment, donc porte d'entrée. Vas-y. D'ailleurs, on me pose la question. Je me pose la question. Je vais encore me poser plein de questions. Comme ça, c'est pas mal du tout en fait. Ok, donc ça on va garder.
Ça, on va poser. J'ai l'air un peu à la basse et fatigué, hein, mais c'est normal, je suis sous mes docs. Ma sciatique me fait un mal de chien, et du coup, pour oublier que j'ai mal, je joue et je live. Parce que c'est ultra chiant. Voilà, ça c'est fait. Donc, on fera une entrée par là, comme ça. C'est pas mal, je trouve. Comme ça fait. Ça fait dégager, je trouve. Bon, la porte, je peux rien faire d'autre que la laisser comme ça, vu que à la base c'est comme ça. Ensuite, petite fenêtre. Mais est-ce que ça va passer comme ça? Et merde. Faut que je fasse plus petit, en fait. Plus petit, plus fin. Donc, fenêtre. Garde, et là c'est pas mal normalement. Oh, c'est parfait. Alors du coup, bon bah l'extérieur je peux le repeindre. Hein. Pour moi, la couleur est pas mal. Moi la couleur est pas mal. Hop là. Donc ensuite, allez, vas-y bouge. Porte. Ouais, c'est parfait là. Il y a nos problèmes au haut. Que j'aille des idées pour 2-3 trucs, mais là ce sera parfait. Donc nous allons mettre une porte ici. Voilà, ça passe, ça c'est bon. Ensuite, ah oui, j'ai oublié ça. J'avais dit que je faisais 2 heures, hein, pas plus. Ça, ce sera la salle de bain. Ensuite, ici dans ce couloir, on va faire les sols. Alors, il faut bien faire le porte, installation, fenêtre, mur, piscine, tapis. Ah, carrelage de sol, lame de parquet de sol. C'est pas ça du tout. Bon, mais c'est ça. Attends. Ah oui. Essayer ça pour voir. Ferme la porte, ferme la porte. Ah,
Donc, bizarre parce que ça fait pas dans le sens que je voudrais, mais bon, je peux rien y faire, c'est ça qui est con. Voilà, ça a pris du temps. Donc, ce couloir, on va le faire comme ça. Ce couloir, on va le faire pareil. Les travaux avancent ici, 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 ici. Vu que c'est le salon. Ah, on va faire ça. On va faire le salon, on n'est pas en blanc blanc, hein. On va le faire en... une couleur assez particulière blanche. Ici c'est la cuisine, donc j'aimerais du carrelage. Comme ça. C'est le même, non? Pas que je dépense pour rien non plus. Effectivement, comme ça sera parfait. Ici, on est dans la salle de bain, donc... On va mettre du bleu clair sur le sol. Voilà, ça c'est ça sera sur le sol de la... de là. J'arrive plus à parler, c'est génial. Merci les médocs. Alors du coup, ici. Depuis là, ce sera ça. Et le reste, pour le bureau, qu'est-ce que je peux mettre? Sol. On mettra un sol noir, puis on verra ce que ça donne. Parfait, donc ça on ferme.
Ensuite, la chambre. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre? Tester ça un petit peu. Est-ce que... Si le lit est là, de toute façon, je vais pas faire grand-chose. Hein. Plutôt mettre du parquet, puis on mettra un tapis au pire, lame de parquet stratifiée. Bon, c'est parfait ça. Alors, tac. Ok, ça c'est bon. Et ensuite, il faudrait... Pour la chambre, on essaie vraiment de faire un truc... Fenêtre. Un truc bas. C'est histoire que ça passe. Ouais, c'est tout juste. Alors, du coup. Voilà, ça c'est bon. Ça passe partout. Ensuite. Bienvenue sur le live. Donc du coup ici. Ah bah je vais faire les installations d'abord, comme ça au moins ce sera fait. Donc. Ah bah non, c'est. Ils ont changé ça depuis les dernières mises à jour. En fait, c'est l'équipement électrique. C'est dans éclairage en fait. C'est dans interrupteur, c'est génial, ils ont tout changé. 27, 15 trucs, j'ai dit moderne et cher. Alors du coup. Ça, c'est bon. Tac. Tac. Sur les nouvelles personnes qui arrivent. Ici, où est-ce qu'on va le mettre? On va le mettre là. Si je pars éteint, c'est un peu normal, je suis sous médicaments. J'ai une sciatique de merde qui me fait mal depuis quelques jours. Et du coup, je prends des médocs assez forts. Il faut. Alors, du coup, si jamais je sors de là, est-ce que... Oui, il faut poser ça ici, évidemment. Et si je sors du bureau, évidemment, je vais poser l'interrupteur là. On va prendre partout non plus, hein, parce que ce serait n'importe quoi. Et on va en poser un dans ce coin-là. Tac. Tac. Voilà, ça c'est parfait. Et en ressortant, il faudrait quand même mettre... Oula, le bug. Oh, joli. Voilà, on va laisser là. C'est parfait. On laisse ici. Alors, ensuite, oula. Je ne sais même pas gaffe où je vais. Alors, les loupiottes.
dans le couloir. Plafonnier. Dans ce couloir, je vais simplement mettre ça. Le plus au milieu possible, hein, pas faire n'importe quoi. Normalement, ça devrait passer, ça. Si j'allume, ça fait comment? Ça fait bien, ça allume bien. Hop là, tac. Ça c'est bon. Ici. Ici, on va en poser deux, le plafonnier, donc c'est le bureau, on va placer. Tac. Est-ce qu'il accepte d'en placer un ici? Ouais. Voilà. Un là. Ça ferait. C'est pas mal. C'est pas mal. Hop là. Ici, je sais pas encore. En fait, il faut que j'aménage d'abord les salles de bain et les cuisines avant de faire quoi que ce soit. C'est pareil pour là. Ici, on va mettre un plafonnier. On va. Ici, peut-être que c'est un peu trop, on va voir. Ah, c'est pas mal là. Ça, on va le mettre un petit peu plus au milieu. Hop là, comme ça. Approcher un petit peu plus. Comme ça, voilà, ça c'est parfait. Pas trop le sens des perspectives dans le jeu des fois. C'est parfait pour moi. Ici. C'est pas mal. Ah, ce sera en plusieurs parties, hein. Ce sera parce que j'ai dit que je faisais 2 heures. De toute façon. Alors. Ici. On va peindre. On va mettre. Dans les panneaux, qu'est-ce qu'ils proposent? Papier peint. Qu'est-ce que ça c'est? Ah bah non, mais c'est le papier peint moderne là. Peinture. Qu'est-ce qu'il y a de clair?
Voilà, ça au moins, je sais que je vais peindre avec ça. Ensuite, le blanc, c'est bah, c'est typique blanc, hein. On va pas. Pouf, pouf. Cristal, tiens, hop, pas mal ici. Carrelage mural, donc ici pour la cuisine. Ce serait pas mal ça de la brique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Normalement, ça devrait passer. Alors, ensuite, ici, ça c'est bon. Ensuite, dans la salle de bain. Dans la salle de bain, hésitation totale. Ça certainement pas, ça fait gamin, je trouve. Ça pas du tout. Voilà, comme ça. Ensuite, ici, le sol est noir. J'aimerais de la peinture. Et rouge sang, certainement pas. Cacao. Encore où j'en mets deux à chaque fois, on sait jamais parce que ça part tellement vite. Alors, la chambrée. Il y a la place pour, mais bon. Mur. Peinture. Bleu somnolent, je connais, mais j'aime pas trop. J'aimerais un bleu. Sphère céleste, ça peut être pas mal.
Sourire banane, certainement pas. Des fois, il y a des couleurs qui me plaisent, mais que je trouve un petit peu trop éclate ta gueule. Jaune matinal, tiens, on va essayer. Non. On va essayer le jaune matinal. Ça peut être pas mal en fait. Ouais, ça peut être pas mal. Pour changer dans le mode sommeil. Alors du coup, on va mettre un autre jaune matinal. Allez, vas-y. Voilà, pose le jaune matinal. Avec ce qui te reste, voilà, comme ça on va pouvoir commencer. Et la baraque, je vais pas la repeindre en réalité, elle est plutôt. Oh, j'ai oublié un truc. Nettoyer. Ça avance bien, je suis content. Alors du coup, tac, comme ça c'est parfait. Le jour où on aura la mise à jour pour pouvoir faire les plafonds aussi, ça sera pas mal. Normalement, ça devrait arriver soon. Ah, ça c'est bon. Est-ce que j'ai tout peint? C'est bon. Oui, j'ai rien oublié. Tac. Oh, ok, c'est bon. Donc c'est bien. Ça commence à donner une belle tournure. Ce sera pas à vendre. Hein, ce sera chez moi là. Ce sera le QG où j'ai enfin déplacé mon gros cul. Alors, tac. C'est par là. On voit la différence parce que sinon ça aurait été un petit peu la mouise.
Ok, je repasse au cas où, hein, si jamais il n'y en a pas assez. Alors du coup, tac. Et ça avance bien. Là, est-ce que j'ai pas l'extérieur? Oula, sauvegarde automatique qui à chaque fois te fait croire qu'il va y avoir un freeze ou autre. Ok, j'en ai pris un de trop, définitivement. C'est pas grave, hein, ça coûte pas si cher une fois que t'as 2 millions en poche en même temps. Voilà, le salon. C'est fait, ça commence à donner une bonne tournure. D'ailleurs, on a quand même le temps, 1h35. Donc, on va faire la première partie en peignant puis en posant les plaques. Skill dans le jeu pour peindre plus longtemps, c'est génial là. J'aurais pas dû prendre un deuxième pot, mais juste un seul à chaque fois. Avance gentiment, c'est bien. Voilà, c'est bon. Et du coup, bah, j'ai vraiment pris trop de peinture. Tac, voilà. Oui, c'est joli. Les peintures d'abord, les carrelages, c'est plus chiant à faire en fait. Du coup.
alors que hein, ça va être suffisant pour celui-là aussi. Non, je vais pas faire l'intérieur, ça sert à rien. Je pense que celui-là, je peux l'envoyer balader. Ensuite, ouais, il y a ce bout-là. Ça avance bien, je suis content. Au moins, ça avance dans le dans la peinture. Déjà, c'est pas mal. Il faut que j'arrête de prendre en gros, hein, parce que les plus gros, ce serait pour les plus grosses maisons. Et même si c'est une grosse maison, il faudrait juste que je prenne du médium la prochaine fois. Cette pièce dans cette couleur là. Maintenant la chambre. Alors qu'il n'a besoin que d'un seau. Au secours, pourquoi je peux pas. Il y a un bug là, je peux pas peindre. Oh mais c'est une blague, au bout d'un moment vous commencez à me casser les couilles avec vos bugs. C'est quoi, on va simplement aller au menu principal. On va quitter, puis on va revenir. C'est des bugs qui arrivent, hein, comme avec les bugs de... Comment ça s'appelle? Les bugs d'herbe, les bugs de décor et autres. Parce que si je peux plus peindre, ça va me foutre le seum de nouveau. Les jeux comme ça où t'as envie juste de tout foutre en l'air puis de t'énerver, mais alors faut pas du tout parce que ça sert à rien. Putain, j'ai mal à cette sciatique. J'ai mal jusque dans le bide tellement c'est de la merde.
Ah, il charge. Voilà. T'as des bugs qui arrivent, tu sais même pas pourquoi en fait. Et ça te sort du jeu, ça te sort de ton élan en fait, c'est ça qui est chiant. C'est dommage, c'est pas. Enfin bref, il y a des mises à jour, des fois ça casse le jeu, ça casse les jeux, n'importe quel jeu, hein. Bon, qui a dit qu'une mise à jour, ça n'amenait pas de nouveaux bugs parfois, hein. Bon, c'est hyper rare quand ça arrive dans Rose Slipper. Tellement rare que j'ai du mal à les dénombrer, voire que c'est peut-être tellement rare que c'est peut-être jamais arrivé. Voilà, ça c'est fait. Puis la chambre elle est pas mal comme ça en verre matinal. C'est du jaune matinal ou du vert matinal, je sais plus et je m'en fous. Alors du coup, tac, ça c'était parfait. Ensuite, on va poser les carrelages. Pour ce qui est de la cuisine et de la salle de bain, je poserai les lumières plus tard. Parce que je sais jamais vraiment où les poser, ça dépend où on pose le matos, etc. Qu'on attend. Ah oui, bah oui, évidemment. Moi, je n'ai pas une option de rallonger pour le faire en un seul coup, ce bout-là.
Voilà, ça donne bien. Du bleu ciel par terre et du mur en bleu foncé. Bon, moi j'aime bien en tout cas. Qu'est-ce que c'est long de poser du carrelage? C'est pour ça que je fais ça là en dernier. J'en ai trop pris parce qu'il y en a bien assez. Oh, c'est pas grave, vaut mieux en avoir trop que pas assez. Toujours revendre derrière. Voilà, salle de bain pour moi, c'est bon. Poser la question là, du coup. Je vais essayer un truc. La salle de bain, fenêtre, est-ce que je peux mettre plus gros? Juste un petit peu plus gros. Fenêtre. Plutôt sympa comme ça en fait. On va devoir reposer, mais au moins ça fait une plus grande fenêtre. C'est pas mal. Voilà. Ça va poser. Maintenant, la cuisine. Enfin, les bords de fenêtre d'abord parce que c'est chiant. Voilà, du coup ça je prends, et on continue le tour.
Ça, la cuisine moderne, on modernisera bien les choses, que ce soit technologique, utile. J'en passe les meilleurs. Et encore, il n'y a pas que l'intérieur que je ferai aussi l'extérieur. Ça avance doucement mais sûrement. Et voilà, ça c'est la cuisine. On fera la cuisine comme ça. Et on en est à 2 heures. Donc on va s'arrêter là et on aura fait la première partie en rénovation. Et ce sera l'installation des meubles la prochaine fois. Voilà, en gros, on a tout nettoyé. J'ai rajouté un petit peu un rebord sur le garage qu'on utilise en bureau. Ça, ce sera l'entrée, tout simplement. Ça, c'est le salon. On posera des canapés, une télé, tout ce qu'il faut. Une salle à manger intérieure, peut-être, avec des meubles et tout ce qu'il faut. Une salle de bain en bleu. Ce sera parfait. J'ai vraiment tout réaménagé, hein. Faut dire que c'est particulier. La cuisine, ce sera une cuisine un peu brique grise, ce sera parfait. Le petit couloir que je trouve est bien foutu comme ça. Ça, ce sera le bureau, hein, évidemment, qu'un sol noir et cacaoté pour le mur. Et la chambre principale, la chambre à coucher, qu'on a faite avec assez de lumière, assez de choses, etc. Pour moi, c'est parfait. Donc, je vais juste vérifier un truc. La piscine, on va pas la toucher, on va la laisser telle quelle en fait. La piscine, on va la laisser telle quelle, on changera un petit peu certains autres trucs. Mais franchement, ça me paraît déjà bien comme ça, donc on n'y touche pas. Un petit jardin, on aménagera les choses. Ce sera pas mal. Là aussi, il se pourrait que je réaménage avant à faire un petit jardin avec de la bouffe et autres, et puis on verra bien. Mais pour le moment, pour moi, ça me paraît bon en tant qu'aménagement de des couleurs, des murs, etc. En tout cas, la rénovation, ça c'est fait. Donc la rénovation, ça c'est fait. Je vais me poser vers le bureau, puis comme ça, je réapparaîtrai là quand je recommencerai la prochaine fois.
Donc on va quitter. Donc pour les gens de YouTube, salut YouTube, parce que la vidéo sera transférée sur YouTube, hein, évidemment. Donc pouce en l'air si ça vous plaît jusque-là, abonnez-vous si ça vous plaît également. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, que ce soit sur YouTube ou Twitch. Toutes les informations sont en dessous de la page principale de Twitch, et puis et vous avez le Facebook, le Twitter, le YouTube. Vous avez absolument tout pour la page YouTube, vous avez tout dans l'onglet à propos. Je vous dis à très bientôt. Et pour les gens qui seraient encore en live avec moi, on se retrouve dans 2 petites minutes pour un nouveau live pour du Immortal Phoenix Rising. Aujourd'hui, je devais faire du House Sleeper parce que je pouvais pas en faire mercredi. Enfin, je voulais pas en faire mercredi parce que je voulais me reposer mercredi. Et j'aurais mieux fait de faire un live si j'avais su que je serais pas bien aujourd'hui. Parce que là, c'est pour oublier ma douleur dans le dos. Alors, bisous et à très bientôt.